Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La conférence sur les négociations tripartites ouvertes dimanche dernier par le chef de l'État a fermé ses portes au fleuve Congo Hôtel. Les parties prenantes ont également salué le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine. Kibambe Somoïsa. Troisième journée et clôture ce mardi 6 avril 2021 de la conférence ministérielle sur la poursuite des négociations tripartites Égypte-Éthiopie-Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne, des négociations organisées à Kinshasa sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Les assises ont réuni du 4 au 6 avril à Fleuve Congo Hôtel les ministres des Affaires étrangères des trois pays avec leur homologue de la RDC, la ministre d'État Marine Toumba Zeza, en présence du représentant du président de la Commission de l'Union africaine, le commissaire politique paix et sécurité Bankole Adeoye, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'Organisation panafricaine et de la Tax Force du ministère des Affaires étrangères. La conférence de Kinshasa constitue un pas dans les longues négociations autour de l'épineuse question de remplissage du barrage de la Renaissance éthiopienne. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères a lu le communiqué conjoint de la réunion ministérielle sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. À l'initiative de son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en sa qualité de président de l'Union africaine, une réunion ministérielle a été convoquée à Kinshasa du 4 au 6 avril 2021 sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La réunion visait à poursuivre les pourparlers tripartites entre la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République du Soudan. La réunion a été officiellement ouverte par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine. Les travaux ont été conduits par Mme Marie Toumba Nzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC. La réunion a vu la participation de l'honorable Sameh Hassan Choukri, ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, de l'honorable Demeke Mekonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République fédérale, et de l'honorable Sadiq Al-Mahdi, ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan. Son Excellence l'ambassadeur Bankole Adeoye, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, paix et sécurité, a également participé à la réunion et il a représenté le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence M. Moussa Faki Mahamat. Les participants ont exprimé leur profonde gratitude au leadership de son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et ils ont remercié le peuple congolais pour son hospitalité. Faite à Kinshasa le 6 avril 2021. La conférence terminée, les délégations ont regagné leurs pays respectifs au terme des 3 jours de travaux. Elles étaient composées de 10 membres chacune, en raison de 2 ministres chargés des affaires étrangères et des questions liées à l'eau et à l'irrigation, ainsi que, oui, d'experts. Elles ont eu des échanges fournis en présence du représentant du président de la Commission de l'Union africaine et de la ministre d'État en charge des affaires étrangères, assisté du ministre des Ressources hydrauliques, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'Union africaine et de la Tax Force du ministère des Affaires étrangères. Elle mérite toutes les éloges du monde grâce à son travail abattu pour la consolidation de l'église kimbongiste à l'absence de son époux en prison. Il s'agit bel et bien de la distinguée et brave femme connue sous le nom de Mama Mwilu Kiawanganzitani Marie, épouse de Simon Kimbangu. Suivez. Ce centenaire a fait ses preuves dans le développement socio-économique
de la République démocratique du Congo. Mais on ne peut pas parler du centenaire de l'église kimbanguiste sans pour autant évoquer le nom de la distinguée et brave femme Mwilu Kiawanga Nzitani Marie, qui a prêté main forte à son époux pour le rôle qu'elle a joué dans le passé en prenant la relève dans la direction de l'église kimbanguiste pendant tous les temps que son époux était en prison, sans ignorer la charge de leurs trois enfants. Aujourd'hui, si on célèbre le centenaire de l'église kimbanguiste, l'apport de cette dame ne doit pas être ignoré. C'est une grande dame, vraiment un exemple à suivre. Hein. Elle est une femme très courageuse, s'est occupée de l'éducation de ses enfants pendant que son mari est en relégation au Katanga. C'est un grand pasteur, le premier pasteur de l'église kimbanguiste, femme. Elle a eu à faire beaucoup de choses. C'est une dame qui a eu à se débrouiller toute seule. Et voilà ce qu'on appelle aujourd'hui l'autonomisation de la femme par rapport à l'émancipation de la femme. Cette femme, en tout cas, est un exemple à suivre. Maman Mwilu, elle fait la fierté de toutes les femmes de la République. Le centenaire de l'église kimbanguiste, et donc c'est une grande fête nationale. Et je ne pouvais pas manquer cet événement pour marquer cela en affichant les banderoles un peu partout. Le rôle que joue l'église kimbanguiste pour la RDC est indéniable. Que du bonheur pour cette grande église dans cette grande Afrique. Pourquoi pas dans le monde entier. Les messagers de Simon Kimbangu, communément appelé Ngunza, se sont réunis à Kinshasa pour commémorer non seulement le centenaire de l'église kimbanguiste, mais aussi le centenaire du tout premier miracle de Simon Kimbangu qui marque également les débuts de son ministère. Sandra Nyangi. À l'instar d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem dans la province du Congo central, Kinshasa la capitale était aussi en ébullition ce 6 avril 2021. Le terrain Bondo dans la commune de Ngiringiri a servi de cadre à un grand festival musical. Les messagers de Kimbangu, communément appelés les Ngunza, ont organisé cette rencontre pour commémorer comme il se doit le 100 ans du premier miracle du prophète Simon Kimbangu. Miracle qui a déclenché son ministère pour le messager de Simon Kimbangu et Beli Popo Ndombo, appelé par le prophète depuis 2015. La célébration du 6 avril 2021 ne doit pas prêter à confusion. Il prêchait la spiritualité de la race noire, la défense de la race noire. Il a mené ses combats contre l'endoctrinement, contre l'acculturation de la race noire. La journée du 6 avril nous rappelle le premier miracle de Kimbangu. Kimbangu est l'envoyé du Créateur pour libérer la race noire. Pour la petite histoire, le premier miracle de Mvuluzi a eu lieu au village Gombe alors qu'il se rendait au marché avec son fils qui se loquait. Il guérit une folle qui souffrait pendant très longtemps. La première directive qu'il a reçue du Créateur par une voix audible. Ils disent leur ras-le-bol et lancent un cri d'alarme face à l'insécurité qui a élu domicile au quartier Plateau 1 Kojelos Nzengi derrière l'université de Kinshasa. Juste en l'espace de 7 jours, ces familles ont été visitées par des bandits en main armée. Cédric Kenina. Une mare descend sur le sol, signe de la violence de l'attaque perpétrée par des bandits armés dans le domicile d'un ingénieur en télécom, Adriel Nkouni. Nous sommes dans le quartier Plateau 1, Kojelos Zengi, dans la commune de Mongafula. Ici, il ne se passe pas une semaine sans que les résidents soient visités par des hommes armés non autrement identifiés. Selon les témoignages recueillis sur place, en l'espace de 7 jours seulement, 6 familles ont été visitées par ces malfaiteurs à la recherche d'un butin et prêts à donner la mort en cas de résistance. La famille de l'ingénieur en télécom Adrien Kouné, qui s'est vu dépouillé de ses maigres économies. Ce dernier a été grièvement touché par une balle et acheminé d'urgence aux cliniques universitaires. Les témoignages des victimes sont poignants. Subitement, les gens sont entrés, c'était des criminels à main armée. Ils ont dit, si aujourd'hui vous ne donnez pas l'argent, vous allez mourir. On a commencé à crier,
au secours, vous attendez, nous allons vous maltraiter. Au secours. Les habitants du quartier lancent ici un cri d'alarme. Nous demandons au président de la République d'abord, parce que c'est lui le garant de la nation, au gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est lui le maître de la ville. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que la sécurité. Notre quartier, c'est un quartier paisible. Lorsqu'on place des militaires par-ci, par-là, ces gens-là viennent, ils commencent à mettre l'insécurité. Nous n'avons pas de police, de la police ici. La police se trouve à 2 km d'ici. Et cette police-là, quand on est venu me visiter, les policiers sont venus vers 4 heures. Les policiers ont dit ceci. Nous avons des armes qui n'ont pas de munitions. Nous avons des armes dont les numéros de munitions ne correspondent pas avec l'arme. Comment est-ce que quelqu'un qui a une arme avec une munition qui ne correspond pas? Lui-même d'abord est victime devant. Nous voulons la sécurité dans notre quartier. C'est un quartier paisible. Nous vivons calmement. Nous voulons la sécurité. Nous insistons, président de la République et son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, donnez-nous la sécurité que vous avez promis au peuple congolais. Pour mettre fin à cette criminalité grandissante dans ces coins de la capitale, la police nationale congolaise, du moins le sous-commissariat de ces quartiers, doit se doter de moyens conséquents pour faire face à ces attaques. Souhait des habitants de Kojelos. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé, a échangé avec le caucus des députés du Grand Kivu. La question sur la situation sécuritaire dans l'est du pays était au menu de leurs entrevues. Plus de détails dans ce reportage de Nadine Yango. La journée internationale anti-mine est célébrée le 4 avril de chaque année. À Kinshasa, cette célébration a eu lieu dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, marquée et par plusieurs démonstrations. Le thème choisi pour la célébration de cette année est « Vers l'objectif zéro mine, zéro reste explosif des guerres et zéro engin explosif improvisé en République démocratique du Congo, défis et perspectives ». À travers ces thèmes, le gouvernement de la République veut éradiquer et éliminer toute présence des mines antipersonnelles sur le territoire congolais, car l'explosion des mines antipersonnelles réduit la valeur économique des individus. C'est ici que je me dois de saluer la détermination du chef de l'État, son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris à bras le corps les questions sécuritaires de notre pays, aboutissant aujourd'hui à faire reconnaître au monde entier l'existence de ce mouvement terroriste lié à l'État islamique sur notre sol. Les coordonnateurs du Centre congolais des luttes anti-mines, M. Soudi Ali Massi, a indiqué que cette campagne commencée à Kinshasa va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Les rebelles de ADF-MTN nous amènent un phénomène très compliqué, très complexe, qu'on appelle les engins explosifs improvisés. Ils sont des mines artisanales, ils sont fabriquées par les matériaux de la cité, qui attaquent la population avec ça. Le thème de cette année est un vœu, il faut la conjugaison de toutes les institutions pour atteindre cet objectif et ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Au secteur de la santé, le programme élargi de vaccination PEV se lance dans la campagne de sensibilisation des prestataires sur l'introduction du vaccin COVID-19 en République démocratique du Congo. Des sensibilisations au personnel soignant, ici, le PEV était à l'hôpital Vijana à Lingwala. Constance Mananga. Suite aux rumeurs, la vaccination prévue le 15 mars dernier en RDC a été reportée. Les experts du programme élargi de vaccination PEV ont choisi l'hôpital Vijana pour sensibiliser les prestataires sur l'introduction du vaccin COVID-19. AstraZeneca est un vaccin qui a beaucoup d'avantages. Il faut donner la bonne information au personnel soignant qui sont tout le temps en contact avec les malades. Comme vous le savez, ce sont les nouveaux vaccins, c'est un nouveau virus. Il y a des firmes qui sont en train de vouloir faire un marché. Et dans ces firmes, il y a aussi l'exploitation des informations des anti-vaccins qui sont aussi derrière cette vaccination, qui nous combattent dès le départ avec la vaccination de routine, mais qui trouvent l'occasion aujourd'hui
avec les raisons qui sont dans les contextes actuels, d'exploiter encore plus et de gagner les adeptes anti-vaccinales. L'initiative du PEV est louée par le médecin directeur de Vijana, pour qui cette formation de sensibilisation des professionnels de santé de son établissement vient renforcer leur adhérence au vaccin. Être sensibilisé pour la vaccination, c'est une très bonne chose parce que ça va renforcer l'adhérence au personnel soignant de Vijana, de s'adhérer pour que chacun puisse se protéger en prenant ce vaccin contre la COVID-19. Toutes les questions ayant trait à la vaccination ont été abordées afin d'outiller les personnels soignants de Vijana à se protéger et comprendre l'intérêt de ces vaccins pour servir de pont avec la population. C'était un réel plaisir de vous avoir présenté ce journal. Merci à toute l'équipe technique, mesdames, messieurs, merci pour votre attention. Accrochez-vous sur la chaîne nationale congolaise pour la suite des programmes. Retrouvez tout à l'heure à 13h30 Séverine Katanda. Quant à moi, je vous retrouve à 16h. Au revoir.